secrétaire générale de l'association Europe France et également directrice du, oui, il y en a du programme européen du ministère. Alors je ne sais plus exactement où ils sont situés. Et de la ruralité. Ah bah, bon. Alors, vous pouvez, d'accord. Alors vous pouvez m'expliquer ce qu'est ce Europan. Europan, c'est un concours d'idées sur site réel ouvert à des jeunes professionnels de moins de 40 ans. Et c'est un concours européen donc, qui a lieu tous les deux ans. Nous sommes dans la 13e session sur un thème donc, commun à toute l'Europe qui est la ville adaptable. Alors les candidats, quels sont-ils? Alors ce sont des candidats européens. Donc ils peuvent être de tous les pays de l'Europe géographique, pas forcément des 27. C'est des choses relativement simples quand même. Et puis ils sont en fait, c'est des professionnels, c'est-à-dire architectes, urbanistes, voilà, paysagistes. Une cinquantaine de mètres, ce sont des concepteurs sur, de l'espace urbain. Des ouvrages enterrés qui vont traverser. Alors qui va juger un petit peu de leur travail et combien de temps ils ont pour faire ce projet? Alors ils ont 4 mois, le concours a été lancé le 2 mars, les projets sont à rendre pour le 30 juin. Et ensuite, nous avons un jury indépendant par pays. Nous avons des jurys nationaux qui comprennent des personnalités, des représentants de la commande publique ou commande privée, des architectes urbanistes, paysagistes, et puis quelques personnalités associées. Et c'est le jury qui décide de la sélection des équipes en consultant les représentants des collectivités. Quels sont les sites européens qui ont été choisis cette année? Il y en a 49. Je ne peux pas vous donner toute la liste, mais vous pouvez bien sûr sur le site europan-europe.eu en consulter la liste. Il y en a beaucoup. 49, c'est un très bon chiffre. Ça crée à chaque fois une très bonne dynamique. Et nous, en France, nous sommes toujours, bien sûr, assez pourvus en sites, puisque cette fois, nous en avons 10. Nous avons eu beaucoup de demandes et donc nous en avons retenu 10 pour leur pertinence. Oui, justement, cette pertinence, ça va de quoi à quoi? Plusieurs critères, une volonté politique déjà, et une sincérité bien sûr sur le fait d'engager des jeunes professionnels sur une réflexion concours ouvert. C'est un concours qu'ils font gratuitement, hein, bien sûr. Et donc, ça leur demande aussi beaucoup d'énergie, de travail. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne écoute, il faut qu'il y ait une bonne réception de leurs propositions. Il faut aussi un cadre innovant, d'innovation, d'ouverture, de recherche. Et puis, il faut aussi des perspectives, après, de bonnes perspectives pour que des équipes puissent travailler. Notamment les 3 équipes qui seront sélectionnées par site, qu'elles puissent pouvoir expérimenter avec la collectivité. En concertation, bien sûr. Oui. Yeah.
c'est important que ça ne reste pas comme ça un terrain vague longtemps finalement, que ça puisse recréer de l'emploi comme il y en avait avant. Bah oui, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est pas donner des droits à construire, c'est véritablement de réemployer l'existant. Ça, c'est la première phase, la première reconquête de la base aérienne, c'est vraiment de réemployer l'existant. Et là, on a quand même quelques touches aujourd'hui qui nous permettent d'être confiants sur cet avenir proche. Stéphane Gérard, je travaille à la communauté d'agglos de Metz Métropole et je suis responsable du projet d'acquisition de reconversion de ce site. D'accord. Justement, ce site, là, vous le faites découvrir. Quels sont ses attraits encore aujourd'hui de... Bien que vide, il y a quand même des attraits. Tout d'abord, par sa seule localisation. Il est situé au sud de l'agglomération, à la périphérie immédiate de la 31, Rocade Sud. Périphérie immédiate aussi d'une grande zone d'activité commerciale qui est Acti Sud, 5 km du centre-ville. Et vous êtes dans un environnement quand même au niveau naturel qui est... assez agréable, on a le soleil qui est avec nous, par chance, mais voilà, on a les côtes de Moselle qui sont juste derrière, avec le Mont Saint-Quentin. Voilà, ne serait-ce déjà que par sa localisation, c'est déjà un atout en soi. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de marques d'intérêt qui nous ont été faites. Après, sur les 400 hectares et les 370 sur lesquels on est, il y a encore une certaine liberté à pouvoir agir. On a une partie du site qui est déjà... équipé et qui a un potentiel dans les bâtiments qui le composent. Et par ces quelques spécificités, déjà, ça suffit pour attirer du monde et les marques d'intérêt. Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez réussir à convaincre justement des entreprises de venir? Ce que je disais encore à monsieur Henrion, pour convaincre des entreprises, il faut avoir un maximum de garanties. Et une qui nous échappe à l'heure actuelle, c'est d'être en capacité de pouvoir dire dans une semaine, deux semaines, un mois, on est propriétaire du site. Donc on sera en capacité de pouvoir, à un moment ou un autre, vous délivrer une promesse de vente. C'est quand même des choses sur lesquelles on n'arrête pas de nous vendre comme quoi, ça y est, les choses avancent, sont faites. Donc effectivement, on a une partie qui relève de notre responsabilité. On a beaucoup négocié. Ce n'était pas le prix qu'on a négocié, c'est les conditions. Mais après, là, nous, on est prêts depuis plus d'un an et ça traîne. Et donc ça, c'est déjà un premier frein à pouvoir accueillir des activités. Surtout pour celles qui sont désireuses de pouvoir s'implanter et acheter les choses. Quand vous n'êtes pas propriétaire du bien, compliqué. Après, ça sera la question des moyens et du marché. Voilà, c'est les moyens que Metz Métropole va pouvoir mobiliser pour rééquiper des zones, les viabiliser, les rendre autonomes et puis après les mettre en phase commercialisation, sachant qu'on est dans un marché qui est très compliqué à l'heure actuelle. Quoi. Voilà, faut pas oublier que le but, c'est pas de concurrencer nos autres zones d'activité, qu'elles soient communautaires ou communales. Alors la première entreprise qu'on aurait pu voir aujourd'hui, c'était Comouv', et là, ça a disparu. Là, pour l'instant, il n'y a plus personne à travailler sur la base. On a encore l'entreprise Securitas. Alors, effectivement, on en a peu parlé, puisque c'était vraiment Ecomove qui était, on va dire, le symbole de cette reprise d'activité sur le site. Donc, effectivement, malheureusement, ils ne sont plus sur site. On a la section RN de gendarmerie qui lui donne une certaine vie et activité. On a la société Securitas et sa section Sinophil qui est en place et est déjà présente depuis 2013. On a les Restos du Cœur qui sont aussi des locataires historiques de ce site. C'est sûr que tout cumulé, ça ne remet pas beaucoup de vie ou d'activité sur le site, mais c'est mieux que rien. Et après, on rend des services aux forces de l'ordre pour des mises à disposition de terrain pour leurs exercices. Voilà. On essaie de lui donner vie comme on peut pour le moment dans l'attente d'implantation. Alors qu'est-ce qui va faire que ces architectes de ces projets Europan, vous allez réussir à les convaincre et à travailler sur certains endroits du site? On va mettre en avant les mêmes atouts que ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Je pense que déjà ils sont assez nombreux et c'est un signe que voilà, c'est un site intéressant. Après, les composantes naturelles du site et bâties font que forcément ça attire ne serait-ce que la curiosité. Et puis les reconversions de sites militaires qui font office véritablement de vitrines. On n'a pas encore beaucoup en France, donc pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une de ces équipes qui va être justement celle qui aura réussi
à faire en sorte qu'on fasse au niveau des collectivités de Metz Métropole une réussite dans la reconversion. C'est toujours des exercices très compliqués, on ne sait jamais où on va, donc le challenge il est aussi de leur côté, hein. Ils vont se faire un nom hein, si tout se passe bien. Quels sont les projets les plus fous que vous avez vu passer par ici ? Les plus fous, un centre d'attraction basé sur l'espionnage, un complexe aquatique pour faire du surf, parce qu'en Lorraine, on a quand même pas mal de clients qui sont adeptes de surf et de canyoning. C'est pas des blagues, hein, j'exagère vraiment pas. On a eu un projet porté par un célèbre cascadeur qui voulait faire un espace aussi tourné sur les loisirs et sur les facettes du cinéma. Voilà, ça, on va dire, c'est les trois qui m'ont le plus marqué. Après, on avait aussi la France en miniature réalisée ici. On peut parler 10-15 minutes comme ça, oui. On a eu des bons moments. Des farfelus, alors, aussi. Non, on peut jamais qualifier quelqu'un de farfelu. C'est des personnes qui ont une idée, une ambition, qui veulent la partager avec vous. Malheureusement, effectivement, le plus souvent, ça s'arrête au stade de l'idée et ça ne peut pas aller plus loin parce que économiquement il n'y a pas de rentabilité à espérer derrière. Quoi. Voilà, mais jamais de farfelu. Et aujourd'hui, des projets très sérieux qui tiennent la route, qui sont en attente, il y en a ? Oui, il y a des projets sérieux. On est sur la reprise du bâtiment d'Ecomove parce que forcément il est opérationnel, il est en très bon état. On a des entreprises locales qui désirent se développer pour capter des marchés au niveau européen et qui sont dans les télécommunications qui souhaiteraient aussi s'installer sur ce site. On a des implantations au niveau agricole. Oui, on a des choses. Oui, si, les choses se font. Mais comme je vous l'ai dit, tant que vous n'êtes pas propriétaire et que vous n'avez pas l'ensemble des droits pour pouvoir y mener les opérations d'aménagement, c'est toujours plus compliqué. Même si avec la défense, on a beaucoup avancé et convenu, hein, c'est ce que disait le directeur de l'EPFL, ils nous ont quand même confié la gestion, ce qui n'était pas une chose simple. Le frein, c'est pas un peu aussi la dépollution du site ? C'est un peu tarte à la crème, non ? Mais de toute façon, quand vous avez envie de faire peur à quelqu'un, voilà, vous trouvez toujours un moyen, un angle, un sujet. La dépollution, ça peut faire peur, mais c'est pas celle qu'on croit. C'est pas la pollution pyrotechnique qui nous fait le plus de crainte et de peur. Je veux dire, on est quand même dans une région où les bombardements, on connaît, on sait faire. On a quand même des boîtes au niveau national qui sont spécialisées, qui savent gérer ce risque. Non. Je dis pas que c'est pas neutre, ça nous pose pas des contraintes, mais non. Je travaille à Metz Métropole au sein du service planification territoriale et donc je m'occupe des questions agricoles à Metz Métropole. Alors quel est ce projet de pôle que vous voulez faire au sein de la BA 128 ? Alors le projet, donc, on l'appelle l'agrobiopôle, c'est un projet en fait de production, transformation et valorisation des produits agricoles locaux. On le voit un peu comme l'épicentre des nouvelles formes d'agriculture de l'agglomération. Donc sur le territoire de cette métropole, hein. Donc un épicentre avec une approche vraiment globale à l'échelle de l'agglomération, puisqu'on réfléchit également à la reconversion, à la qualification des anciennes friches agricoles. L'objectif, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée locale, donc développer l'économie agricole. Ça sera sur quelle surface ? Alors là, aujourd'hui, donc on est sur une surface au sud de la base aérienne, hein, comme ça avait été adopté dans le schéma directeur de reconversion du site. On est sur 70 hectares. Quelle est la qualité du sol ? Donc en fait, on a mené des études pédologiques avec la Chambre d'agriculture de la Moselle. Et donc les sols sont argilo-limoneux, hein, on est sur les alluvions de la Moselle, donc ce qui est approprié notamment pour du maraîchage. C'est des très bonnes terres.